Le carnet rose de nos amis les stars a encore été bien rempli en 2022. De Paris à Hollywood, chanteurs, acteurs, animateurs télé et influenceurs ont été nombreux à pouponner cette année. Télé Loisirs vous propose un récapitulatif. Les cigognes ont encore bien travaillé en 2022. En France comme à l'étranger, de nombreuses stars ont accueilli un enfant cette année. Certaines personnalités ont connu les joies de la maternité ou de la paternité pour la première fois, tandis que d'autres ont eu le bonheur de voir leur famille s'agrandir, comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama consacré aux naissances de l'année. Si est-il le cas de la chanteuse Aya Nakamura qui, bien avant de se séparer de son compagnon Vladimir Boudonnikov, a ouvert le bal en annonçant sur Instagram le 7 janvier 2022 la naissance de son deuxième enfant, une petite fille. Hasard du calendrier, si est-il le même jour que la mannequin Ashley Graham, déjà maman d'un petit Isaac, a révélé dans une story Instagram avoir accouché de ses jumeaux à domicile. Justin et moi sommes super heureux de vous annoncer que nos garçons sont là. Ils sont nés tôt ce matin à la maison, et sont heureux et en bonne santé, a-t-elle écrit pour prévenir ses abonnés. Pluie de bébés sur l'Amérique. Toujours de l'autre côté de l'Atlantique, l'actrice Priyanka Chopra Jonas et son mari, le chanteur Nick Jonas, ont accueilli leur premier enfant, une petite fille née par mère porteuse le 15 janvier. Pas de mère porteuse en revanche pour la chanteuse canadienne Béatrice Martin, alias Cœur de Pirate, qui a mis au monde son deuxième enfant le 16 janvier 2022, un petit garçon prénommé Arlo, pour la plus grande joie de Mark Flynn, son compagnon. Plus secrète, l'actrice Jennifer Lawrence n'a dévoilé que 6 mois après la naissance le prénom et le sexe du bébé, un petit garçon baptisé Si, en hommage à Cite Von Bly, un peintre américain que son mari Cook Meroni apprécie particulièrement. A l'inverse, Kylie Jenner, la petite sœur de Kim Kardashian, ne s'est pas faite prier pour dévoiler des photos de sa petite et de son compagnon, le rappeur Travis Scott, provoquant un raz-de-marée de likes et de commentaires sur les réseaux sociaux. Toujours à Hollywood, les acteurs Rosie Huntington Whiteley et Jason Statham ont accueilli leur deuxième enfant, alors qu'Elisa Taylor et Bob Morley, de la série The 100, sont devenus parents pour la première fois. Mais celle qui a créé l'événement, si est bien sûr Rihanna. La chanteuse, en couple avec le rappeur A$AP Rocky, a donné naissance à son premier enfant le 13 mai. Amel Bent, Vita, Camille Combal, Amir, Nabila tous parents en France, plusieurs célébrités ont connu la joie d'accueillir un enfant en 2022. Très amies dans la vie, les chanteuses Amel Bent et Vita sont toutes les deux devenues mamans. Le 7 avril, Amel Bent a accouché de son troisième enfant, tout comme Vita qui, 3 jours plus tard, a mis au monde une petite fille prénommée Noah. Sans doute moins habitué aux couches et aux biberons, l'animateur Camille Combal, en couple avec Marie-Thérèse Stéphanie, est devenu papa pour la première fois. Quant à la reine des influenceurs, Nabila Benatia, elle a accueilli un petit Leian avec son compagnon, Thomas Vergara. Il s'agit du deuxième enfant du couple, après Milan, dont l'accouchement le 11 octobre 2019 avait été filmé. Parmi les autres stars françaises devenues mamans en 2022, citons notamment Ilona Smet, la fille de David Hallyday, qui a donné naissance à son premier enfant le 24 juin, le chanteur Amir, papa d'une petite Or, 2 ans après la naissance de Michael, Lou Doyon qui a mis au monde un petit Laszlo le 26 juillet, ou encore l'humoriste et chanteuse Camille Lelouch, maman d'une petite Alma depuis le 9 octobre 2022. Autant de bébés de stars qui vont tous vivre leur premier Noël en cette fin d'année 2022.
supérieur à cliquer ici pour découvrir notre diaporama à lire aussi ces couples de stars qui ont rompu en 2022.